Quand y a la place pour deux, c'est donc y en a pour trois. C'est arrivé souvent qu'on m'ait dit ça. C'est donc la vie à deux, ça peut se vivre à trois. Il y a deux façons très simples d'arranger ça. Deux filles et un garçon, c'est une combinaison à essayer pour faire la chasse aux papillons. Une fille et deux garçons, c'est l'autre combinaison qui est recommandée pour capturer le lion. Et comme le temps de la chasse est bien court et fugace, on oublie tous les lions et tous les papillons. On reste à la maison, on sort les édredons, on fait preuve d'un peu d'imagination. Y a du dessert pour deux, c'est donc y en a pour trois. C'est l'hospitalité qui fait la loi. Et pour mettre en pratique la règle de trois, chacun a sa manière d'arranger ça. Deux filles et un garçon, c'est une combinaison à essayer pour faire la chasse aux papillons. Une fille et deux garçons, c'est l'autre combinaison qui est recommandée pour capturer le lion. Et comme le temps de la chasse est bien court et fugace, on oublie tous les lions et tous les papillons. On reste à la maison, on sort les édredons, on fait preuve d'un peu d'imagination. On reste à la maison, on sort les édredons, on fait preuve d'un peu d'imagination.